De plus en plus, les universités, vous le voyez, jouent un rôle d'ambassadeur et d'instrument privilégié dans la circulation des personnes, des connaissances et les rapports entre les nations. Par le développement des réseaux et de nouveaux partenariats avec leurs homologues, avec le monde des affaires et avec les institutions internationales, les universités modernes mènent en quelque sorte une diplomatie complémentaire à celle des États, en particulier sur le plan culturel et scientifique. Elles sont au cœur de ce que j'appellerais la nouvelle diplomatie du savoir. C'est dans cet esprit qu'a été créé l'an dernier le Forum international des universités publiques, le FIUP, dont l'Université de Montréal, qui en abrite le secrétariat permanent, en a été l'instigatrice. Le FIUP table sur la diversité et fait ainsi contrepoids aux réseaux universitaires majoritairement anglophones qui ont été mis sur pied auparavant. Le FIUP réunit une vingtaine d'universités publiques de quatre continents de langues diverses et provenant autant de pays en développement que de pays industrialisés. Le Forum international des universités publiques se démarque aussi par ses objectifs et ses actions. De façon générale, le Forum entend encourager l'expression des valeurs qui sous-tendent la mission des universités publiques à l'ère de la mondialisation. Plus concrètement, le Forum vise la création de collaborations nouvelles et originales en matière de formation, d'enseignement et de recherche. Cette tribune internationale marque donc un nouveau chapitre dans le développement d'une véritable communauté des universités publiques.